caméraman, viens un peu, s'il te plaît. Tu prends un peu ça comme ça. Ça représente quoi ici? Rien, c'est le dessin. Voilà, caméra, secoue un peu, s'il te plaît. Voilà. Stefano, dis-moi, s'il te plaît. Là, je me place de ce côté-ci. Stefano, dis-moi. Les gens se demandent pourquoi est-ce que Stéphane est toujours. Pourquoi est-ce que Stéphane participe toujours à mes émissions? Bon, de moi je vois souvent certains commentaires, on dit ton meilleur acteur, voilà, si c'est là. Moi je participe parce que bon, moi j'aime bien et c'est, moi je trouve ça c'est comme le cinéma, donc du coup je suis passionné par ça. Ça me dérange pas, ça me gêne pas, moi j'aime participer. Mais et tu aimes participer, mais ça t'a déjà détruit beaucoup de relations, Stéphane. Oui, ça détruit les relations, donc toi tu es l'auteur. On va pas se cacher. Excusez-moi, c'est dit. Est-ce qu'on va se cacher? Moi, j'aime participer, donc c'est tout. Ce n'est pas une réponse qui Mais va. on se demande, Stéphane, est-ce que tu es un homme sérieux, honnêtement? Mais quand on me voit, on sait que je ressens même d'avoir au mot sérieux. C'est ni quand tu me vois aussi sérieux, n'est-ce pas? Il est très sérieux. Il est très Je suis sérieux. un très Vraiment très sérieux. sérieux, sérieux avec C. Sérieux. Ah, sérieux avec C. Oui, je suis très sérieux. D'accord. Et Stéphane, honnêtement, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas en couple. Moi, je veux te mettre en couple. Je me mets en couple comment? Pardon. Demain, tu m'as dit que je me mettais en couple. À Yaoundé, tu m'as abordé deux filles. Une partie aux deux. Ou une était veuve. Ou une partie à l'église. Pardon, l'autre était courte. Ou l'autre partait jouer au football. Il ne sait pas. Non, merci, pardon. Non. Des filles bizarres, bizarres. Non, moi, je ne veux plus. C'est quoi ton style de femme, Stéphane, honnêtement? Mon style de femme, c'est le style un brun, brun, bien brune. Si les filles qui a de l'argent. Si les filles qui osent. Qui est capable, qui est brune, qui est belle, qui est bien formée, qui a de la valeur, qui a de l'éthique. Avant de continuer, s'il vous plaît, Sindibi, caméraman, s'il vous plaît, tu vas un peu prendre entièrement. Et recule un peu, s'il te plaît, recule un peu, tu vas prendre entièrement. Viens un peu comme ça, avance un peu comme ça. Voilà, tourne un peu sur toi, s'il te plaît. Tourne un peu sur toi. Voilà. Je profite, c'est toujours un plaisir d'être avec toi parce que il faut que tu nous dises aussi un peu à combien est-ce que tu t'habilles. Ma vie crée moins cher. Ta vie très moins chère. Oui. Bon. Oui. Non, ça va, non, ça va. Caméraman, s'il te plaît. Descends un peu avec la caméra, tu prends ses chaussures, s'il te plaît. Voilà, tu descends, voilà, tu prends ses chaussures. Ok, c'est super. Ta chaussure t'a coûté combien? 15 000. 15 000. C'est quel que c'est Gucci? Le bon C'est est le parce bon. que Prends combien, caméraman? le chinois est plat Oui. et pourtant le bon est la grosse mec. Comme tu vois, c'est la qualité. Oui, c'est la qualité. Voilà. D'accord. Et à côté de ça, tu as mis cet ensemble-là. Donne C'est un peu. un ensemble très simple maison, Un pas pour ensemble très simple sortir. maison. Oui. Tourne un peu, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Et ça t'a coûté combien, Cindy? 10 500. 10 500, cet ensemble-là. Oui. Et qui a acheté? Moi-même. Avec l'argent de qui? Et qui est? Il va chercher avec quelqu'un mon argent. D'accord. Je vois aussi accompagné à ça, tu as mis une greffe ou une perruque. Une perruque, c'est la métissée. Je tourne un peu encore. Voilà, caméra, secoue un peu s'il te plaît. Voilà. Viens, viens comme ça. Ça t'a coûté combien? 90 000. 90 000. Qui l'a acheté? Moi. Toi-même. 90 000. Tu as quel niveau à scolaire s'il te plaît? Et un bac D. Tu as un bac D. Souvent, il y a une chanson qui disait que c'est la grosse telle qui porte la perruque. Non, viens, 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 viens. Non, ta tête est pleine, ta tête n'est pas vide, c'est bien. Et accompagné à ça, est-ce que je peux présenter ton téléphone? Oui, c'est un 13 Pro Max 256 gigas. Qui Oui, l'a acheté? moi. Ça a coûté combien? Ça m'a coûté, pense, 750 000. 750. Wow. Et merci. Et Cindy, s'il te plaît, est-ce que tu permets? Je ne veux pas te déshabiller. Mais regarde d'abord. Caméraman, s'il te plaît, prends un peu ce tatouage-ci, à ce premier tatouage. Approche un peu sur ça. C'est quoi ce tatouage? C'est la moitié de la face du lion. Moitié de la face du lion. Ça représente quoi? Non, laisse, c'est juste le dessin. Juste au dessin. Et ici, sur tes mains, c'est quoi? Quoi? Ça ceci d'abord. Là-dessus, les deux mains. C'est C'est quoi? juste les fleurs, non, c'est pour la fête. Pour la fête. Oui. Tu es musulmane. Ah, d'accord. Et maintenant, voici un vrai tatouage maintenant.
Ça représente quoi ici? Ah, ce fil de fer. Le fil de fer, le fil barbelé. Pourquoi? Parce que. D'accord. Permets, s'il te plaît, Cindy, je ne veux pas te déshabiller. Je ne veux pas te déshabiller. Là, juste là, un peu comme ça. Non, laisse, ça descend là en bas. Si tu veux regarder tout ça, mais déjà. Ah, ok, ça descend jusqu'à quel niveau? Jusqu'ici. Là, ça descend, ça vient comme ça. Jusqu'ici. Ah, ok, donc tu t'es déshabillé pour qu'on détate tout ça. Tu t'es déshabillé là, t'as ouais, deux. Ouais, mais c'est pas déshabillé, c'est aussi l'habit. C'est comment est-ce, moi? Aïe. Et par la suite, voici encore un autre tatouage. Caméraman, viens un peu, s'il te plaît. Tu prends un peu ça comme ça. Ça représente quoi ici? Rien. C'est juste le dessin. Rien, juste le dessin. Est-ce que tu as encore d'autres tatouages? Sur le dos, est-ce que tu l'as? La famille, s'il vous plaît, dites-nous, est-ce que vous accepterez que votre enfant se fait tatouer comme ça? Mais quand tu me coupes la partie ici, tu me coupes ça. C'est suivi. Tu me coupes ça, caméraman. Mais la caméra, c'est celui qui est derrière. On a fini avec moi.